Bonsoir, un petit unboxing de la boîte de Horrifik. Je viens de recevoir l'exemplaire de production à valider et je vous propose de découvrir ça ensemble. Donc voilà, une boîte. Hein. Manifestement, il y a du matos dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Justement, ouvrons-la. Voyons voir. Ah, des cartes. Alors, ici, vous avez des cartes au format tarot dans lesquelles il y a les signets avec les actions de base et les déclencheurs des actions de base qui sont là pour les joueurs. Ils n'ont pas besoin de plus. Et de l'autre côté, il y a le pacte. Le pacte, c'est toutes les choses, l'espèce de contrat social sur lequel on se met d'accord quand on commence à jouer à Horrifik pour être sûr que la partie se passe bien et que ça se passe bien pour tout le monde. Donc, il y a également, voici les cartes de caractères qui sont représentés par cette petite flamme et qui, eux, indiquent quels sont les caractères de vos personnages, c'est-à-dire quel est leur penchant qui va faire qu'ils vont avoir tendance à explorer les mystères, les sombres mystères de Horrifik, avec devant de quoi se choisir un prénom masculin, féminin, mais aussi les liens à définir avec le personnage. On en choisit un sur la carte caractère, un sur la carte occupation. Et à partir de ces deux liens, on tisse des liens entre les personnages autour de la table. Il y a ici, à l'arrière, l'action et évidemment le revers que le maître de jeu peut activer pour mettre le personnage parfois dans des situations un peu difficiles. Au niveau de l'occupation, qui est marquée ici par le petit engrenage, vous avez des noms de famille, les possessions notables de votre personnage, qui dépend donc de sa profession, des liens, et au dos, les deux actions spéciales liées à l'occupation de votre personnage. Chaque fois, le recto est utilisé lors de la création de personnage, le verso est utilisé, lui, pendant la partie, on le retourne et on verra tantôt qu'il a une position prévue sur la feuille de personnage. Alors, on a aussi ici les cartes au format poker. D'abord, avec les cartes ici, les cartes actions de base, pour le maître de jeu, qui, elles, sont lues par le maître de jeu et ou tendues aux joueuses quand elles en ont besoin. La carte fait et découverte, qui dit qu'est-ce qu'on peut raconter en fonction de l'avancement de l'horloge, avec de 0 à 9 heures, de 9 heures à 12 heures, évidemment, après 12 heures, comme on peut plonger autant que l'on veut dans l'horreur, il n'y a pas besoin de troisième verso à cette carte. Ça aurait été difficile, d'ailleurs. La carte X, donc, que l'on met évidemment au centre de la table pour s'assurer de la sécurité émotionnelle de tout le monde, et également de l'autre côté, ligne et voile que l'on peut mettre en place avant la partie. Et donc de nouveau, ici, un verso que l'on utilise avant la partie et un recto que l'on utilise pendant la partie sur la table. Les six cartes augures, proches du défus, à part que ici, vous avez deux fois « non mais ». Et c'est une question de design, de manière à ce qu'il y ait un petit peu plus de non rebondissants que de oui. Donc il y a trois oui, oui et, oui, oui mais, il y a deux non mais et un non et. Il n'y a pas de non tout court, qui lui par contre serait pas très favorable au développement de l'histoire pendant le jeu. Et ici, les cartes étrangeté avec les six type d'étrangeté que l'on peut utiliser pour s'inspirer, pour trouver de l'inspiration, pour faire rebondir une description pendant la partie, comportement, événement, bizarrerie, sensation et perception, une chose, ou enfin des monstruosités. Tout ça, évidemment, va utiliser les poncifs de Lovecraft de manière à s'assurer que quand on consulte ces cartes étrangeté, travaille bien dans le canon de Howard Phillips Lovecraft. Deux jolis petits dés, un dé noir pour faire le dé d'obscurité, un dé blanc, puisqu'on est dans un système PBTA, on lance deux dés blancs. Ici, on ajoutera des pions d'obscurité que vous devrez vous fournir, parce qu'on n'a pas pu les ajouter dans la boîte, c'est en rupture de stock un peu partout dans le monde. Donc pour faire le 2d6 plus ici des pions d'obscurité, il n'y a plus de caractéristiques dans Horrifik par rapport au PBTA classique. Un marqueur FA5 parce que, en fait, vous allez voir, tous les plateaux de taille A5 ont leur recto qui est verni de manière à ce qu'on puisse travailler avec un marqueur effaçable dessus.
Les cartes ici, les cartes au format mini, qu'on va utiliser pour faire des cartes circonstances et des cartes s'épancher et des cartes récupérées lors des ellipses. Je montrerai les plateaux tantôt. Hein. Et donc voilà, les cartes circonstances, chaque fois sont notées ici la circonstance et on les utilisera sur le plateau ellipse. On verra ça tantôt. Et puis alors, les cartes portraits. Vous avez 44 cartes portraits avec chaque fois au recto un personnage typé féminin et au verso un personnage typé masculin. Il y en a 40, différents types, belle diversité au niveau, il y a aussi des monstres, belle diversité au niveau des, on va dire, phénotypes, excusez le scientifique qui parle, que l'on peut rencontrer dans les mondes anglo-saxons, dans le canon de Lovecraft, même si lui-même utilisait très très peu la variabilité qui était à sa disposition. Le livret, qui ne fut pas une mince affaire, il a bien dû tripler de volume entre le moment où Fred a commencé à l'écrire et le moment où on l'a édité. Un livret dans lequel donc, vous avez les règles. Le but de ce livret est de vous apprendre à jouer. Et le but de tout ce matériel de jeu est de faire qu'une fois que vous avez après joué et que vous vous sentez à l'aise avec les règles d'Horrifique, vous puissiez prendre le livret et le mettre à côté de la table pour ne plus avoir à aller le consulter lors de la partie, puisque tous les éléments dont vous avez besoin, normalement en termes de règles, sont synthétisés quelque part sur une aide de jeu. Le livret est en noir et blanc. C'est à la fois un choix de design de manière à limiter le coût, mais également pour avoir un rendu qui est beaucoup plus classique, beaucoup plus aussi immersif par rapport à l'époque de Lovecraft. Et voilà. Et alors, vous avez dans le livret différentes annotations dans les marges. Et bien, vous pourrez découvrir que ces annotations représentent différents textes écrits par des protagonistes qui ont eu affaire eux-mêmes à de sombres mystères. Textes que vous pourrez découvrir à côté de votre lecture des aspects plus techniques du livret. Alors maintenant, on arrive aux différents plateaux. Et donc, ici d'abord, ben, les feuilles de personnages. Et donc, comme je vous disais tantôt, hop, je vais prendre ici, hop, voilà, le marqueur. Ces feuilles ont le côté ici au recto qui est effaçable, qui est verni pour être effaçable de manière à ce que vous puissiez réutiliser ad vitam aeternam vos 4 feuilles de personnages, puisque Horrifique est prévu pour jouer jusque 4 joueuses, 4 PJ en plus de l'obscurité, qui est donc le rôle de meneur de jeu. Sur les feuilles de personnages, vous avez de quoi prendre quelques notes, votre possession notable, les liens que vous aurez déterminés à la création, mais aussi les réactions que vous serez amené à cocher et à interpréter en cours de partie, les blessures, également les états. De la place pour les 4 jetons d'obscurité, pions d'angoisse que vous pourrez avoir. Et alors ici, vous voyez, il y a des petites places pour venir mettre votre occupation et votre caractère avec votre personnage, de manière à ce que vous ayez toute la feuille de personnage. Vous pouvez également ajouter à votre feuille de personnage, tirer ou choisir une carte portrait pour avoir le portrait de votre personnage. Les cartes portraits ne sont pas vernies, donc n'écrivez pas ici, même si on a mis la place pour écrire, mais protégez vos cartes portraits de manière à pouvoir justement, avec, grâce à la protection, pouvoir écrire et écrire dessus et les utiliser. C'est un conseil que je vous donne. Alors, ensuite, nous avons ici le plateau « Lancer la partie ». Grâce à ce plateau, le maître de jeu qui connaît Horrifique, qui a déjà joué une ou deux parties de Horrifique, n'a plus besoin du livre de règles pour lancer sa partie, puisque toute la procédure qu'il est vraiment conseillé de respecter, si vous voulez vraiment rentrer dans le canon Lovecraftien et utiliser et pouvoir tirer la substantifique moelle de Horrifique, et donc toute la procédure est notée, procédure de création du scénario et de l'univers de jeu, enfin du contexte de jeu avec vos personnages, grâce au petit livre, et puis explication de règles que vous avez avec les petits dés. Vous avez un certain nombre de petits codes, hein, comme dans des jeux de société, qui vous permet de savoir ce que vous devez faire au fur et à mesure. Quand vous avez terminé de lancer la partie, et que donc vous êtes arrivé au bout et que vous pouvez lancer la première scène, en tant que meneur de jeu, vous retournez le plateau. C'est ce côté-ci du plateau qui est verni, et vous voyez toutes les actions de maître de jeu que vous pouvez faire entre 0 à 9 heures, de 9 à 12 heures
et après 12 heures sont reprises ici et vous allez pouvoir les cocher de manière à varier, vous assurer que vous allez varier les propositions au niveau de vos joueurs. Vous avez ici également les actions de descente et les actions de climax que vous devez jouer les unes après les autres. Donc après minuit, vous devez donner une action de climax à chacun des PJ autour de la table avant de pouvoir une action de descente avant de pouvoir faire une action de climax, ce qui permet vraiment ici de terminer la partie de Horrific avant d'arriver à l'épilogue qui se déclenche quand tous les PJ ont eu leur action de climax. Et grâce à ce petit système ludique, vous êtes sûr et certain de créer cet aspect de descente aux enfers qui est typique aux nouvelles de Lovecraft. Donc on a parlé pour lancer la partie, vous allez avoir besoin de lancer les mystères et de définir les cadres avant de créer le personnage. Et donc voici, que je ne me trompe pas, voici les mystères. Donc vous en avez 6, le lieu maudit, les effroyables vestiges, un sombre événement, l'expédition funeste, un cas inquiétant et l'abominable chose. Ces mystères peuvent être joués avec n'importe quel cadre, sauf l'expédition funeste, qu'il est conseillé de jouer avec, avec un cadre d'une contrée lointaine. Vous pourriez imaginer faire une expédition funeste également dans d'autres cadres, mais c'est vraiment le cadre, une contrée lointaine qui est utilisée. Sinon, les 6 cadres sont un village isolé, une contrée lointaine, une métropole, une région reculée, un petit bourg tranquille, seulement en surface, et le huis clos. Le huis clos qui, lui, est un petit peu différent puisqu'il impose que toutes les scènes qui sont jouées, ce n'est pas le cas nécessairement des ellipses, mais en tout cas, toutes les scènes qui sont jouées doivent avoir lieu dans le lieu qui est choisi pour le huis clos. Alors, tantôt, je vous ai parlé des ellipses, et d'ailleurs, je vais aller rechercher les petites cartes dont j'ai besoin. D'ailleurs, je vais faire ça comme ça, voilà, hop, voilà. Et donc, les ellipses ont lieu entre 2 scènes. Vous pouvez les déclencher. Chaque joueuse autour de la table a un jeton d'ellipse qui, elle, peut utiliser pendant la partie de manière à déclencher une ellipse. Et quand on déclenche une ellipse, on peut faire différentes choses. On peut soit récupérer de manière à guérir d'une blessure et gagner un bonus de plus 1 à sa prochaine étape. On peut s'épancher de manière à guérir d'un état et découvrir, découvrir un lien entre plusieurs éléments du mystère. Ou alors, on peut également faire une étrange découverte en utilisant une des 6 circonstances, en rêvant, en interrogeant, en entendant une conversation, en suivant son intuition. Et on les met sur le plateau. Et comme vous le voyez, le plateau d'ellipse est divisé en 6 éléments temporels, un flashback quelques minutes plus tard, jusque quelques années plus tard. Et donc, en fonction de où on va déposer les cartes et s'épancher, récupérer, ou les cartes circonstances pour faire l'étrange découverte, eh bien, on déterminera évidemment quand reprend la scène d'après. Par exemple, ici, on rêve, le joueur, la joueuse décide de découvrir quelque chose quelques jours plus tard en rêvant, eh bien, la scène d'après aura lieu après ce rêve. La scène suivante aura lieu après ce rêve. Et donc, ces ellipses permettent évidemment de donner un timing particulier à vos parties de Horrific. Elles ont comme objectif également de pouvoir amener de nouveaux éléments sur lesquels l'obscurité et les joueuses vont pouvoir rebondir pendant la partie. Tout ça est expliqué ici en détail sur l'autre carton ellipse où vous avez les règles spécifiques de l'ellipse. Comme ce sont des règles qu'on utilise un petit peu moins, eh bien, nous avons jugé utile de vous donner un carton qui vous les rappelle. Vous les trouverez également dans le livre de règles. Mais comme ça, quand vous avez besoin de mettre une ellipse, pas besoin de consulter le livre de règles. Tout est encore ici.
Alors, le petit carton bonus autre temps, donc qui vous permet de jouer ailleurs que dans le canon lovecraftien. Canon lovecraftien, rappelons-le, qui est fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et donc, ici, vous avez la procédure, choisir une trame, choisir une couleur, mettre en place, explorer le mystère. Quatre points courts avec quelques éléments qui vous permettent de le faire. Et ici, derrière, les germes de l'horreur, c'est-à-dire les questions que vous allez avoir besoin de vous poser pour voir si le contexte d'autres temps que vous avez décidé d'explorer ensemble, dans lequel vous voulez explorer un mystère, eh bien, quels sont les éléments de ce contexte qui permettent de faire germer l'horreur de manière à ce que tout le monde soit bien au courant. C'est un exercice qu'on peut faire avant de faire la partie, ça peut être un petit peu long, mais c'est aussi un exercice que vous pouvez faire pendant la partie et qui permet évidemment d'éviter un trop long temps de mise en place de la partie et d'éviter une trop longue phase d'infodump au début de la partie. Bon, ben maintenant, il reste deux derniers aides de jeu qui sont un peu les pièces maîtresses. Le carton, voilà, on avait promis... le carton, que je raconte, l'écran du maître de jeu. On avait promis un écran en carton bien solide. Eh bien, on y est arrivé. Ça n'a pas été nécessairement une mince affaire d'un point de vue budgétaire, vu évidemment le contexte actuel d'inflation et l'augmentation des matières premières. Mais voilà, vous avez un superbe écran avec, pour l'obscurité, toutes les règles qui sont reprises, toutes les règles importantes à utiliser en cours de jeu qui sont reprises dedans, et des aides de jeu comme des noms, des prénoms, mais aussi ici, tout un vocabulaire lovecraftien qui vous permet d'agrémenter votre partie et d'utiliser le vocabulaire que Lovecraft lui-même utilisait. Vous avez d'autres aides de jeu, comme des éléments d'univers, qui vous permettent de vous souvenir qu'est-ce qui fait que c'est si particulier les nouvelles de Lovecraft, et également des révélations si jamais, quand vous arrivez à la fin de la partie, que ce soit pendant la phase de descente et de climax avec les actions de descente, les actions de climax, mais aussi peut-être pendant l'épilogue hein, et que vous pouvez placer. D'autres règles sont rappelées qui sont bien utiles pour le maître de jeu. Et donc, quand vous avez lu le livre de règles, avec toutes les aides de jeu et cet écran, en tant qu'obscurité, vous êtes parfaitement armé pour animer la partie de jeu de rôle. La partie de horrifique qui va être, elle, minutée, qui va être déterminée grâce à cette horloge de l'horreur qui va être au centre de la table. D'ailleurs, on dit que la partie commence quand cette horloge de l'horreur est mise au centre de la table. Vous voyez qu'elle possède les 6 cadrans habituels au PBTA. Et ici, nous avons des cadrans qui sont... Évidemment, il y en a un qui ne va pas vouloir tomber, sinon... Voilà, c'est pas drôle. Donc, les cadrans sont amovibles et vous pourrez les insérer au fur et à mesure que l'horloge va grimper pendant la partie de manière à symboliser... la montée de l'horreur autour de la table de jeu pendant votre partie de horrifique. Entre 0 et 9 heures, normalement, il n'y aura pas encore grand-chose d'horrifique, mais une fois que vous allez arriver entre 9 et 12 heures, l'horreur va s'installer petit à petit jusqu'à ce que l'horloge, une fois complètement remplie, l'horreur puisse se déchaîner autant qu'elle veut. Voilà, donc horrifique. Je pense qu'on est arrivé à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire une très belle boîte remplie jusqu'à la gueule de matériel et d'aides de jeu qui vont vous aider à revivre l'horreur selon Lovecraft, revisiter l'horreur originelle selon Lovecraft grâce à des aides de jeu et du matériel et des règles, évidemment, qui sont faites pour cela. Bon jeu.